Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Puisque chacun y va de sa petite maxime, moi j'ai repris un bon mot du général de Gaulle qui disait: des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Assurément, la recherche et les chercheurs dans la région Grand Est, et déjà dans les trois anciennes régions, ont fait mentir le grand homme. Nos chercheurs sont performants, nos laboratoires de recherche sont performants. Nous avons le sentiment, l'intuition, que nos laboratoires peuvent encore faire mieux en coopérant entre eux. Le vote du budget, c'est le moment où l'action politique se traduit en crédit et en dotation. Nous sommes sur ce sujet à l'initiative et nous vous proposons de voter pour un montant total de 4,6 millions d'euros la mise en place d'un fonds régional de coopération pour la recherche. C'est un montant important qui traduit notre volonté politique de porter la recherche dans le Grand Est encore plus haut, encore plus loin. Ce fonds collaboratif est dédié aux projets structurants de recherche impliquant des laboratoires d'au moins deux territoires. Vous l'avez compris, il s'agit d'inviter les laboratoires de recherche dans les trois anciennes régions à travailler ensemble sur des sujets thématiques d'excellence: recherche médicale, ingénierie, génétique, neurosciences, matériaux et nanomatériaux, sciences du numérique. Sur ces sujets, nous sommes dans l'action, nous sommes à l'initiative et notre volonté politique, c'est de conforter les synergies entre chercheurs et laboratoires et de favoriser la solidarité entre nos territoires, n'en déplaise à nos collègues du Front national. Petit à petit, budget après budget, la région Grand Est prend corps et le budget présenté illustre notre volonté politique, notre action politique de développer la capacité à travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est ce qui permettra d'atteindre ce petit supplément d'âme qui fera de nos territoires la région Grand Est. Merci. Merci.